va t'asseoir avant qu'il fasse place. Et puis après, il y a Hong Kong, et puis après, si il y a la nuit debout à la place de la République.
nous nous en réitons et cette émulation-là est bonne. Mais pour autant, il est vrai que, du point de vue de la politique macroscopique, il me semble que Occupy Wall Street n'a pas produit d'effet. Plus exactement, il les a produits d'une manière assez particulière. Je serais tenté de dire que la possibilité d'un Bernie Sanders est le produit du cheminement souterrain de ce qui s'est passé à Occupy Wall Street en 2011. Et ça n'est pas rien, on l'accordera. Jamais on a vu un candidat de cette sorte courir dans des primaires américaines. Mais pour autant, paradoxe, Occupy Wall Street, qui se voulait radicalement hors des institutions, aura en quelque sorte fourni un input pour le fonctionnement interne des institutions, même si c'est un fonctionnement renouvelé, qui nous est plus sympathique, etc. On accordera que Bernie Sanders n'est quand même pas de la dernière radicalité, mais comparé à ce qu'était le Parti démocrate, évidemment, c'est une innovation. First of all, a general comment, perhaps a clarification of my own position. Peut-être pour commencer un commentaire général et une clarification de ma position. I have enormous experience of always receiving, you know, the same criticism. J'ai une très grande expérience en matière de critique, ce sont toujours les mêmes critiques que je reçois. In Occupy Wall Street, you know, all of us were organizing these kind of directly democratic, autonomous, horizontal forms of organizing, always got the same lecture. Nous tous qui avons organisé Occupy Wall Street avec des formes horizontales, démocratiques d'organisation, nous avons reçu les mêmes critiques. And it always came from people saying, you know, if you want to be effective, you know, you have to have specific body coming up with strategy, you need to make very specific articulable demands, so various, you know, you have to be able to integrate the political process. Donc on nous disait, si vous voulez être efficace, il faut un conseil qui s'occupe de stratégie, il faut entrer dans une sorte de processus politique. So for example, one group organized along those lines actually did try to occupy Zuccotti Park, the same place where we ended up, 6 months before we did. Par exemple, un groupe qui était organisé autour de ces idées a essayé de occuper le parc que nous occupions aussi 6 mois avant que nous l'ayons fait. And 8 people showed up. Il y avait seulement 8 personnes qui occupaient. And then we did, you know, our way of saying we reject the legitimacy of the entire system. We're going to create a space where people can think about creating new systems themselves from the ground up. And you know, thousands and thousands of people showed up all over the country. Et donc nous avons dit nous allons le faire à notre façon en rejetant la légitimité du système, pour créer des nouveaux systèmes du bas vers le haut. Et là, des milliers de personnes sont arrivées de tout le pays. But sure enough, after about a matter of weeks, those same guys showed up and said, "Okay, now you've got them in. Now you got to do what we said." Et donc ce qui est sûr, c'est que ces gens, quelques temps après, sont revenus, sont arrivés, ils nous ont dit, bon, bah, maintenant que tous ces gens sont là, il faut que vous organisez de la manière dont nous le proposons. So, again, you know, it seems that something similar happened here, in that organizers didn't really want this to happen. Il semble que quelque chose de similaire est arrivé ici, parce qu'il semble que les organisateurs du mouvement n'ont pas véritablement tout ça, ça se passe comme ça. And I think, you know, maybe people should listen to what people actually want. Donc peut-être qu'il faut juste écouter ce que les gens ont à dire et souhaitent. Ça m'a conduit à m'apercevoir de quelque chose que je ne voyais même pas. Au nombre des effets qu'aura produit la nuit de Bouillac, nous avons changé l'atmosphère de la place de la République. La place de la République, depuis plus d'un an, hein, depuis les premiers attentats, était une espèce d'hybride entre un mausolée, un théâtre pour cérémonies et tatipos officiels. C'était un lieu sur lequel pesait une chape, mais absolument mortifère, aggravée par, évidemment, l'état d'urgence, etc. Et la nuit debout a lavé la passion de la République de toutes ces passions tristes. Enfin, c'est quand même... parce que ce qui se passe est une réappropriation incroyablement joyeuse, incroyablement allègre. Et donc, c'est quand même déjà un très bon résultat, je trouve. And gradually from that, there were people organizing peace marches saying,
So please don't use this as an excuse to kill more people. Et ils organisaient des fêtes et des rassemblements pacifistes pour dire attention, ne vous servez pas de ces événements pour tuer plus de gens, pour continuer des mouvements guerriers. Then one day after maybe 2 weeks after the attacks, we all went to the park and it was all gone. Everything had been removed. Et en fait, un jour, deux semaines après les attaques, tout ce qui avait été installé dans les parcs avait complètement été retiré. And you know, we were told, oh, the government wants to preserve this forever, so they took it to the Smithsonian Museum. It will all be cataloged and you know kept there. But in fact, every time we set up more shrines, they took them away again. Oui, donc on nous a dit que c'est parce que le gouvernement voulait conserver en fait tous ces témoignages, etc. Ils ont été transportés au Smithsonian Museum et en fait ça a été en fait un prétexte pour tout retirer. À ce petit parc et qu'ils se sont retrouvés tout seuls, voilà. Et en même temps, l'histoire est drôle, mais je suis obligé de le dire, hein. Je ne voudrais pas être vulgaire, mais enfin, lui, de coup, n'est pas sorti du cul d'une poule. Il y a quelques personnes qui s'étaient rassemblées, qui avaient tranché de quelque chose, qui ont travaillé, etc. Il fallait des barnums, des sonos, des trucs comme ça. Et penser que les mouvements naissent comme ça, par génération spontanée, à partir de rien, c'est vraiment croire à l'Immaculée Conception. Alors que les bébés arrivent par les cigognes. Mais non, enfin, pour qu'il y ait des bébés, le papa baisse maintenant, quoi. Hein. Voilà, une vérité, maintenant que je suis dans la métaphore glissante, quoi. Voilà. J'ai bouché avec François Ruffin. C'est quand même une chose à me dire, parce qu'en fait, on était beaucoup plus nombreux que ça.